Fade in. Intérieur. Classe. Jour. Je choisis les équipes. David! David Blanchette. Un gars de bière artisanale qui écoute les films de Michael Bay pour se moquer d'eux. Et Augustin. Dans l'autre coin, Augustin Goliath. Un gars de gin sec, qui écoute les films de Stanley Kubrick. Excellent! Je vous laisse commencer le travail. Je reviens, ce sera pas très long, j'ai un petit appel à faire. Je vous propose quelque chose. Je vais écrire le scénario au complet. Mais non! On peut pas te laisser faire tout le travail. Ça me dérange pas. Oui, mais c'est parce que je voulais travailler là-dessus. T'es avec Maxime aussi. Oh, moi non plus, ça me dérange pas. T'avais pas lâché le cours, toi? Je te propose quelque chose. Je commence mon scénario et je verrai le tien après. De toute façon, il y aura d'autres travaux. David peut pas simplement abandonner la diplomatie. Il met sa langue dans sa poche. Fast forward d'une semaine. David fait un suivi sur la proposition d'Augustin. Hey, j'ai un brouillon aussi. Si t'as le temps à parler, on pourrait... David, on est dans une bibliothèque. Donne-moi 20 minutes, je te rencontre dans le sous-sol. OK. T'as lu mon brouillon? Ouais. Et? Ben, c'est un brouillon. Potentiel pour une bonne note, mais c'est sûr que c'est un brouillon. Je le sais que c'est un brouillon, t'as pas besoin de me le rappeler. Je peux-tu voir le tien? Je partage pas les travaux incomplets. Surtout pas les travaux incohérents. Si toi tu penses que ton travail est incohérent, ça me préoccupe pour la remise. Charmant. Dommage que ça se trouve pas dans ton scénario. J'ai noté ce que j'ai dans ton travail. Tiens. Hey, wow! Non, 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 tu viens me le porter en main propre. Déclaration de guerre. Une guerre froide, parfois chaude. Ouais, une guerre tiède.
Il est venu à mon attention qu'il allait avoir une rencontre d'équipe demain. Malheureusement, je n'étais pas invité. Je t'ai dit que je m'en foutais de ce projet. Ne me demande plus jamais de t'aider. Je ne veux que te voir échouer. Fais la même chose que moi sur la façade de l'amitié. On sait tous les deux que c'est de la bullshit. Chut! Au moins, je leur offre l'idée d'une équipe. Non, 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 non. Tu t'en fous de l'équipe ou du travail. Tu veux le contrôle et ça te dérange que pour une fois, c'est pas toi qui l'as. T'es sérieux? Fait que toi, tu penses que tu peux venir à notre cégep pour faire comme chez toi? Après une dizaine de signes de macaque, ils finissent par s'entendre par texto. Le premier travail sur mon bureau le lendemain matin serait le travail final de l'équipe. Par contre, il n'y en a aucun des deux qui est prêt à avouer que leurs travaux sont très loin d'être complets. Et donc le jour vint enfin. David contre Goliath. Beethoven, Bowie. Le bien, le mal. L'amour et la haine. Main droite, main gauche. Connaissez-vous l'histoire de main droite, main gauche? Non? Je vais vous la raconter. Pour commencer, on a main gauche. La main de la haine. C'est avec cette main-là que Caïn a tué son frère. Ensuite, on a main droite. La main de l'amour. Ces doigts-là nous flattent l'âme. Et là, je m'apprête à vous raconter l'histoire de la vie. La haine est implacable. L'amour par la bataille. Mais quoi? L'amour est de retour dans le combat? Incroyable! L'amour a triomphé. La haine est vaincue. C'est une très belle histoire. C'est justement ça. Une histoire. Un conte de fées.
Il n'y avait toujours pas moyen de résoudre le problème. Justine ne voulait pas choisir. Maxime avait probablement abandonné le cours et moi, je refuse de corriger des travaux supplémentaires. On est donc arrivé à la conclusion la plus juste, rationnelle et saine.